Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, une séance de step pour débutants. On fera une petite chorégraphie en revoyant tous les pas de base. Les genoux, les kicks, les basiques, les V-steps, les mambos, etc. Donc si vous débutez, c'est ici que vous devez être. Allez, on commence tout de suite par un petit échauffement. Allez, on inspire, on se grandit. Et on souffle, on relâche. Et on va taper sur le côté. Allez, on fléchit bien les jambes. On serre bien le ventre. On baisse les épaules. Alors, si vous n'avez pas de step, ce n'est pas grave. Faites un petit carré, un petit rectangle sur le sol pour avoir une cible. Et donc, on verra tous les pas de base. Allez, step touch. Jambes bien fléchies. Toujours le talon bien à plat sur le sol, mais aussi quand on sera sur le step, vous posez bien votre pied bien à plat, complet sur le step. Et toujours le ventre serré pour garder l'équilibre. Allez, pars en talon fesses. Jambes bien fléchies. Et marchez. Allez, ici on va taper sur le step pour prendre la hauteur du step. On souffle bien. Et on va taper en croisant pour voir la largeur de son step. Allez, encore. Et marchez. Allez, montez bien les genoux. Et attention, on va partir en genou-genou. On commence avec le pied droit. Pour le moment, je suis en miroir, c'est-à-dire que mon pied gauche, c'est votre pied droit. Donc, on va commencer avec le pied droit sur le côté gauche du step. Prêt ? Et on y va, genoux en alternance. Allez, le pied bien à plat sur le step. Allez, on va changer. On va faire trois genoux ici. 3, 2, 1, échange. 3, 2, 1, échange. 3, échange. Encore. Allez, je vais rajouter. On va faire trois genoux. Et on va rajouter deux basiques avec le pied gauche, monte et descend. Monte et descend. On reprend. Trois genoux. Et monte, descend. Donc ici, c'est les pas de base que je modifierai à chaque fois. Si vous n'y arrivez pas, vous gardez trois genoux, deux basiques. Allez, je vais changer le deuxième basique. Trois genoux, un basique et on fera un V-step. Et on reprend. 3, 2, un basique, un V-step. Et reprend. Un basique, un V-step. 3, 2. Alors ici, on va faire des tap-up. Ici, vous partez, vous tapez juste votre step. Ce mouvement, je le reprends régulièrement pour reprendre sa respiration, se reconcentrer si on est perdu au niveau des pas. D'accord ? Donc, tap up. Trois genoux. Basique. V-step.
et reprends. Trois genoux, basique, et V-step. Tap up, tap. Alors on peut se taper dans les mains pour se donner de la motivation. C'est comme vous voulez. Allez, je vais changer les trois genoux. On reprend trois genoux normaux. Basique et V-step. On va alterner les genoux ici. Un genou, un genou, un genou. Basique, V-step. Tap up. On en fait 4, 3, 2 et reprend du début. Genou alterné ici. Le basique, le V-step et les tap up. On en fait 4. 4, 3, 2 et reprend. Genou alterné. Basique, V-step et tap-up. Allez, dernier changement. Les trois genoux, on le fera sur le côté. On essaye. Ici, les trois genoux. Monte, descend sur le côté et reviens. Le basique, le V-step et les tap-up. 3, 2 et reprends. Ici, genoux sur le côté. Le basique, le V-step et les tap-up. 4. Et ça, c'est notre première partie. On va continuer. Allez, nos trois genoux. Le basique, le V-step et on fait 4 genoux en alternance. 4. 3. 2. Et reprends début ici, les trois genoux. Le basique, le V-step et 4 genoux en alternance. Allez, début. Monte, monte, monte. Le basique, le V-step. On ne fait plus que 2 genoux en alternance. Et on rajoute 2 basiques. Et début. Le basique, le V-step, les deux genoux, la base ici, basique, et début. Le basique, levé, les genoux, on les changera, et nos deux basiques. Et début. Le basique, le V-step. Au lieu de faire des genoux, on fait des kicks. Tic et tic. Et nos deux basiques. Début. Il nous restera à changer les deux basiques. Le basique, le V-step. Les kicks. Lance, lance. Et ces deux basiques, on va les changer. Allez, début. Le basique, le V-step, les kicks, et ici, monte et on va tirer la jambe derrière. Tire, tire et tap up. Donc on monte, on reste sur le step et on tire jambe droite, jambe gauche ou inversement. Allez, début. Le basique, le V-step, les kicks. Basique, tirez, monte, tire à gauche, tire à droite, descend, tap up. Encore un, et début. Le basique, le V-step, le kick. Basique, tirez, monte, tire, tire, et tap up. Allez, j'essaye de le faire avec vous. Dernier. Et début. Le basique. Le V-step. Les kicks. Et basique tiré. Reprends tout de suite. Début.
le basique, le V-step, les kicks, basique tiré, et tap up. Et voilà, on a fait notre deuxième partie, on reste en tap up. On va faire notre troisième partie. Allez, on en fait 4, 3, 2, et reprend début. Notre basique, notre V-step, les kicks, les basiques tirés, et reprend début. Le basique, le V-step, les kicks, basique tiré et rajoute 4 genoux en alternance. C'est 4, 3, 2 et début. Le basique, le V-step, les kicks, basique tiré, genoux, 4, 3, 2 et début. Le basique, le V-step, le kick, basique tiré. On ne fait plus que 2 genoux et 2 basiques. Allez, début. Le basique, levé, kick, tiré, genou en alternance et les deux basiques. Allez, je vais changer les genoux. Début. Le basique, levé step, les kicks, tiré. Alors ici, on fera des arabesques. On lance la jambe derrière. Et nos deux basiques. Début. Basique. V-step. Kick. Tiré. Arabesque. Et les deux basiques. Qu'on changera bien sûr. Allez, début. Basique. V-step. Kick. Tiré. Arabesque. Arabesque. Et ici, on va faire deux mambo. Droite. Droite. Et tap up. 3. 2. Et début. Basique, V-step, le kick, tiré, arabesque, et les mambo à gauche cette fois-ci. Alors soit vous allez rester comme ça, soit je fais une modif, tap up. Une petite modif, allez début. Vous faites ou vous faites pas, vous faites juste les deux mambo, ça marche aussi. Les kicks. Tirez. Arabesque. Jambe derrière. Alors ici, mambo droit, chasse. Mambo gauche, chasse. Et reviens tap up. Allez, on reprend. Genou, genou, genou. Et basique, V-step, les kicks, tirez, arabesque, mambo chassé, gauche, chasse, droit, chasse les tap-up. Je le fais avec vous. Allez, deux, derrière.
dernier et on y va, début. Le basique, le V-step, les kicks, tirer, arabesque. Alors ici, mambo droit, chasse, mambo gauche, chasse et tap up. Encore une fois. Allez, début. Le basique, le V, les kicks, tirer, arabesque, mambo gauche, chasse, mambo droit, chasse et tap up. Allez, on reprend. Dans deux, dernier et début. On fait toujours 4 tap-up. Basique, V-step, kick, tirer, arabesque, mambo, chasse, mambo, chasse et tap-up. Ça, c'était notre troisième partie. On va faire la quatrième, on continue les tap-up. Quatrième partie. Allez, 4, 3, 2, et début. Basique, V-step, kick, tirer, arabesque, mambo. Et là, on fait 4 genoux en alternance. On reprend la base. 4, puis 2, puis 2 basiques. Début. V-step. Les kicks. Tirer. Arabesque. Mambo. Genoux, deux, et nos deux basiques. Début. Basique, V-step, les kicks, tirer, arabesque, mambo, gauche, droit, genoux, on va changer, et les deux basiques qu'on va changer. Allez, début. Le basique, le V-step, les kicks, tirer, arabesque, mambo, droit. Alors ici, on va mettre la jambe côté. Côté. On ouvre sur le côté, nos deux basiques. Début. Basique, V-step. Les kicks. Tirer. Arabesque. Mambo. Jambes côté. Et les deux basiques qu'on va changer. Allez, début. Alors, les deux basiques, au lieu de descendre derrière le step, on va ouvrir les jambes. Kick. Et descendre à cheval. Tirez. Je vous montre. Arabesque. Le mambo. Attention, jambes côté. Et on va faire le basique à cheval. Monte pied droit, ouvre, ferme et tap up. C'est nos deux basiques, mais on les fait à cheval. On réessaye, début. Le basique, levé, le kick, jambe côté, tirer. Arabesque, fallait bien que je me trompe. Le mambo,
jambes côté et à cheval. Et tap up. Allez, je réessaye une fois comme ça avec vous et je me tourne. Début. Le basique. Le V-step. Le kick. Jambes tirées. Hop, hop. Arabesque. Le mambo. Jambes côté. Et à cheval, monte à droite. Ouvre. Ferme. Descends, tap up. Allez, je le fais avec vous. Je me tourne. Et c'est parti, début. Les trois genoux. Le basique. Le V-step. Les kicks. Basique tiré. Arabesque. Mambo. Jambes côté. Et à cheval, on monte le pied gauche, on ouvre, on ferme et les tap up. Allez, encore une fois. Et on y va, on reprend, genoux. Le basique. Le V-step. Les kicks. Tirez. Arabesque. Les mambos. Jambes côté. Allez, ici, monte, ouvre, monte, descend et tap up. Allez, c'est bon pour ça? Je repasse de l'autre côté, on continue les tap up. Allez, marchez, marchez. Allez, on se reconcentre ici. On va faire droite et gauche, on enlève les tap up. Juste au début pour prendre le rythme de la musique. Je vais mettre un tout petit peu plus fort la musique et un tout petit peu plus vite. Allez, on commence par les tap up tout simple. Je le fais devant vous, je me retournerai après. Prêt? Allez, début, genoux. Le basique, le V-step. Basique tiré. Arabesque. Mambo. Jambes côté. Basique à cheval. Monte, ouvre, monte. Tout de suite, début ici, les trois genoux. Le basique, le V-step. Kick. Basique tiré. Arabesque, mambo, jambes côté et le basique à cheval, tap up. Allez, je me tourne, on en fait 3, 2 et début, on y va. Le V-step, le kick. Basique tiré. Arabesque. Mambo. Jambes côté. À cheval. Et on reprend. Et... basique. Levé. Kick. Basique tiré. Arabesque. Mambo. Côté. À cheval. Allez, encore une fois, début. Le V-step. Les kicks. Tirez. À cheval.
allez mentir. Mambo. Côté. À cheval. Et tap up. J'espère que cela vous a plu. Et marchez, marchez. Et vous pourrez passer à des niveaux supérieurs. Ce sera toujours les mêmes pas qui changent un peu de direction. Mais ce seront toujours les mêmes pas qui reviendront. Allez, on va étirer un petit peu les jambes. Allez, jambes écartées. On serre bien le ventre, on baisse les épaules. On inspire, on se grandit. Allez, on tire sur les bras. Le tout. Alors vous allez poser le talon droit sur le step, fléchir la jambe arrière, les fesses bien en arrière, le bassin bien de face. On ramène les orteils vers soi. Alors vous pouvez le faire au sol, il n'y a pas de problème. Hop, mettez bien la main sur le genou fléchi pour éviter de passer à travers votre genou. Sur le step, et là on va laisser tomber son talon dans le vide. Je vous montre, donc bien dans le vide pour étirer le mollet. Pareil, si vous n'avez pas de step, on est en fente, les deux talons sont bien au sol, le bassin bien de face. Allez, on se grandit, toujours le ventre serré, et on change de côté. On change de pied, on laisse bien tomber son talon. Pareil ici, hop, on a changé de pied. Ventre serré. Multitâche. Allez, cette fois-ci on sort la jambe droite, on ramène les orteils à gauche. Main sur le genou fléchi, on rapproche le buste de la jambe. On ramène les deux pieds parallèles, genoux fléchis, on pose les mains sur le step ou au sol. On tend les jambes, on rapproche le buste des jambes. On fléchit, mains sur les genoux et on déroule le dos. Allez, dernière fois. On inspire, on se grandit. Allez, on tire, ça fait du bien, on allonge sa colonne vertébrale. On tire un peu à droite, on tire un peu à gauche et on relâche le tout. Et voilà, notre séance de step débutant est terminée. J'espère que cela vous a plu. Pour les initiés, ben vous reprenez un petit peu les bases et on continuera comme ça jusque l'été prochain. Allez, en attendant, on se retrouve bien sûr samedi avec du renforcement musculaire, mais bien intense, bien cardio. Et puis, bien sûr, la semaine prochaine, on continue. Allez, je vous embrasse, à très vite.